Los Angeles abrite certaines des stars hollywoodiennes les plus célèbres au monde, un temps magnifique toute l'année et bon nombre des maisons les plus chères. Ces dernières années, il y a eu une augmentation des méga constructions sur mesure. Dans cette vidéo, nous allons vous faire visiter la plus grande et la plus chère de Bel Air. Bon visionnage! Luxy. Une maison sur mesure est une maison que vous construisez en espérant trouver un acheteur potentiel prêt à l'acheter. Cela signifie que ces maisons neuves construites sur mesure sont achevées ou presque achevées avant d'avoir été réellement vendues. Ces dernières années, un petit nombre de développeurs ambitieux ont avancé dans la construction de certaines des maisons les plus grandes et les plus chères, non seulement à Los Angeles mais aussi dans le monde entier. Pour le faire, plusieurs de ces développeurs ont dépensé des dizaines de millions de dollars à l'avance pour construire à chaque fois de très grandes et luxueuses demeures dans l'espoir de trouver un acheteur à l'achèvement de la construction. Après 8 ans de développement et de conception, l'une de ces grandes propriétés, connue sous le nom de The One, a été mise sur le marché. Cette propriété a été réalisée par l'ex-producteur de films devenu promoteur de méga manoir, Neil Nayami. La propriété de Neil Nayami mesure 2,2 hectares, soit un peu plus de 3 terrains de foot. Toute personne qui s'y rend peut voir l'océan Pacifique, le centre-ville et les montagnes de San Gabriel depuis l'entrée de la maison. Pour se rendre compte de l'ampleur de ce méga manoir, il suffit de regarder les maisons voisines. Elles semblent minuscules alors qu'il s'agit de belles bâtisses du prestigieux quartier de Bel Air. Cette propriété n'est pas seulement entrée dans l'histoire pour son prix, qui au départ était de 500 millions de dollars, mais aussi pour sa taille. C'est la plus grande résidence privée d'Amérique. Le manoir s'étend sur 10 000 m². En comparaison, la Maison Blanche n'en fait que 5 100 m². Sa taille absolue est impressionnante, mais la liste de ses équipements est tout aussi impressionnante. Un spa, une salle de cinéma, un sky deck avec un pudding green, 5 piscines, un bar à jus, un salon à cigares, un bar à tequila personnalisé, un salon de coiffure et une galerie avec des œuvres d'art personnalisées par des partenaires artistiques créatifs. La propriété contemporaine de 18 chambres et 25 salles de bain comprend également un garage de 20 voitures et une suite parentale. Une maison d'hôtes de 3 chambres et un pool house sont également situés sur la propriété. Parmi les autres commodités, on peut citer un théâtre, une salle de sport, un bowling, une énorme bibliothèque, une salle de billard, une salle de jeu, plusieurs cheminées, un grand humidificateur de cigares, une cave à vin et une boîte de nuit. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes est la porte elle-même. La porte d'entrée cachée s'ouvre en coulissant et disparaît dans le mur. Dès que vous la franchissez, vous accédez à la grande entrée accueillante où les plafonds atteignent une hauteur de 8 mètres. Le mélange harmonieux de l'opulence de l'extérieur et de l'intérieur est tout simplement impressionnant. Lorsque la porte du salon s'ouvre, vous entrez dans un espace qui vous montre le magnifique paysage extérieur. La vue est sans aucun doute incroyable. Le salon est complété par des meubles confortables qui ont une combinaison de couleurs de blanc et gris. La pièce a également une peinture abstraite gris corail et blanc pour compléter l'esthétique. Vous pouvez passer des heures à vous détendre dans cette pièce avec l'air frais venant de l'extérieur et la plus belle des vues. À voir maintenant qui sera assez riche pour s'acheter cette maison. Elle restera dans tous les cas unique en son genre puisqu'il est désormais interdit de construire un manoir de cette taille dans la ville de Los Angeles. Eh bien, vous pouvez toujours l'acheter si vous avez quelques centaines de millions de dollars. Voilà, nous venons de vous faire visiter l'une des propriétés les plus luxueuses au monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à lâcher un pouce bleu. Quant à nous, on vous dit à bientôt.